Tous les dresseurs ont eu un jour le choix d'arrêter leur parcours. Mais moi je suis bien décidé à ne pas me laisser décourager. Je vais continuer. Oui, je saurai vaincre mes peurs pour être le meilleur et devenir le plus grand de tous les dresseurs. J'irai au bout de mes rêves. Je suis prêt à tout pour que jamais l'aventure ne s'achève et que la chance soit au rendez-vous. Portez-moi. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette suite du Let's Play sur Pokémon version Emerald. Alors, depuis la dernière fois où je me suis fait rétamer par Voltaire, je ne me suis pas du tout entraîné, malheureusement. Mais comme je vois que je suis bientôt en manque de contenu, je ne sais pas quoi faire. Donc, on va essayer une fois de battre Voltaire. Et si je n'arrive pas à le battre, on fera une ellipse. Pour que je m'entraîne, un petit entraînement rapide, hein, histoire d'avoir Galecki de niveau, allez, niveau 30-35, voilà, contre les Pokémon sauvages, et je vous reprendrai juste après. Allez. Ah oui, et à chaque fois j'oublie de sauvegarder avant Voltaire. Ça aurait pu me coûter le playthrough. Blablabla, comme d'habitude, il dit toujours la même chose. On va essayer de le battre. On a les objets qu'il faut maintenant. Enfin, je crois. Ah. Pas grave. C'est toujours le problème de ce champion, la paralysie. Ah, ça, je déteste ça. Hop. Là, il va pouvoir utiliser sa potion, qu'il n'utilisera pas du coup sur les autres Pokémon. Enfin, j'espère qu'il va faire ça, en tout cas. Ouais, c'est bon. De toute façon, Masco a de quoi survivre. J'espère qu'il va l'utiliser, s'il a deux potions, j'espère qu'il va l'utiliser encore une fois sur Voltorb, comme ça je suis sûr qu'il ne l'utilisera pas, en aucun cas, sur les autres Pokémon. Avec Masco, bon, quelques petits problèmes. Ok, bon. Je me rappelle même plus si j'ai acheté des rappels ou pas en fait, du coup. Est-ce que j'ai pensé à acheter des rappels? Je crois pas. Hein. Ça va être le problème. Et ouais, je n'ai pas pensé à acheter des rappels. J'ai acheté les soda cool mais pas les rappels. Fuck, et ben on va perdre hein, encore une fois, j'en suis désolé. Vache, ce Nihondaine est puissant. Bon, par contre, la défense hein, laisse à désirer, comme d'hab. Hop, et Galekid. Ça m'étonnerait que Galekid vienne à bout de tous ces Pokémon d'un coup. Faut espérer qu'il fasse Sonic Boom quoi. Non, KGK. Ça va. Mais bon. Combien je vais lui enlever? Ouais,
La précision, ouais, mais s'il fait onde de choc, c'est obligé de me toucher, parce qu'il n'y a pas de précision pour ça. Risque. Ouh, c'est bon. Je dis risque parce que j'étais pas sûr qu'il fasse une super potion. On essaye tout ce qu'on peut, hein, on est désespéré. Pourquoi j'ai fait machin, mais bon. Il m'enlèvera toujours la même chose. À part si je fais ça jusqu'à ce qu'il me reste, enfin jusqu'à ce qu'il lui reste aucun onde de choc, mais bon. Ça risque d'être un peu difficile, donc non. Non. On va perdre en homme. On va dire qu'on est vaincu. C'était juste un test. Voilà. Petite déculottée encore une fois. Je peux vous dire que j'ai jamais autant galéré contre un champion, bizarrement. C'est pas normal. Bon, écoutez, je vais m'entraîner contre les Pokémon sauvages et je vous reprends tout de suite. Pour vous, ça va prendre quelques temps, tout de suite, et pour moi, ça va prendre quelques temps. Allez, à tout de suite. Eh bien, re à tous, regardez ce qui se passe. C'est énorme. Je les entraîne un peu, hein, chacun à leur tour. Vous verrez, ils sont tous à peu près niveau, je sais pas, dans la trentaine, un peu plus de 30. C'est à fond que je les entraîne. Allez, à tout de suite. Et maintenant, regardez ce qui se passe. On va gagner. Ah, j'en suis sûr qu'on va gagner maintenant. C'est l'entraînement à fond, mais à fond. Ah, quand je vous dis que je m'entraîne, hein, c'est pas sans faire exprès, hein, c'est pas faire semblant. Hein. Ah. Allez, à tout de suite. Eh bien, re à tous. Oh là là. Là, comme vous avez pu le voir, l'entraînement y a été à fond. Et là, franchement, on va prendre notre revanche. Mais dans la tête, j'avais le mot revanche, 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 revanche. À chaque fois, ça me disait augmente plus, augmente plus, augmente plus. Et voilà où est-ce que ça m'a amené. Alors, c'est pas beau ça? Putain. Gars, les gones niveau 32. Le petit Galekid a évolué. Déjà. Et il a appris une attaque. L'attaque que de fer. C'est énorme. Ensuite, il y a eu Masco qui est monté niveau 35, qui n'a pas encore évolué, mais il a appris l'âme feuille. Ça, c'est super. Et enfin, et Nirondel qui a évolué en Elédel. Mais il n'a appris aucune attaque seulement. Tant pis. Voilà. Oui, j'ai été les soigner, je crois. Bah oui. On revient de l'entraînement là, donc. Ouais, ils sont soignés. Alors là, Voltaire, tu vas souffrir, mon pote. Là, il n'y a pas de pitié là. Masco en premier. On va sauvegarder. Et on va prendre notre revanche. Mais là, la revanche de chez Revanche. Je vous dis, là, il est 19h15. J'avais commencé la vidéo, il était 11h. Bon, j'ai fait quelques petites pauses hein, entre-temps, bien sûr. J'ai pas... voilà. Mais...
Vous m'avez compris quoi, il y a eu de l'entraînement. Quand j'entraîne, je vous jure que je fais pas semblant. Si vous avez regardé la version Verfeuille, vous pouvez bien croire que je ne fais pas semblant. Ça, c'est sûr. Bon, après, vous pouvez croire que j'ai triché et tout ça pour ceux qui connaissent pas, hein, mais ceux qui ont vu la version Verfeuille. Pour la version Verfeuille, j'ai fait l'entraînement en direct, donc voilà quoi. Donc, dans ce cas, allez voir la version Verfeuille, vous me croirez. Et hop là, on a été plus loin là où on va d'habitude. Et son dernier Pokémon est Exprint. On va le défoncer. On le défonce le mec. On fout. J'avais que ça en tête depuis ce matin. Voilà. La défoncer. Bon, j'ai perdu. Tu as réussi à donner des frissons. Et ouais, papy. Bon, en même temps, après 8 heures d'entraînement, enfin 8 heures. C'est 8 heures, j'ai dû m'entraîner 4 heures, mais voilà. Onde de choc. Parfait. Maintenant que ça c'est fait, on a Éclatroc et on peut se barrer. D'ailleurs... Qui est-ce qui peut la prendre dans mon équipe? Galégon, je parie. On va être obligé de la prendre à Galégon. Alors... 90, 100, 20, Éclatroc 20. Allez hop, soyons fous. Maintenant il n'a plus vraiment besoin d'attaque sol, hein. Il est très puissant comme ça. On pourrait prendre Eldacier à Elidel, déjà. Ce serait déjà pas mal. À la place de reflet, hop. Ça c'est fait. Voilà. Maintenant qu'on a battu Voltaire, on sauvegarde quand même. Bon bah quand j'ai dit 4 heures tout à l'heure, j'ai peut-être exagéré. Hein. Il y avait peut-être une heure et demie ou deux. Et voilà quoi, l'entraînement était là. Mais bon, c'était assez simple en fait. Il y avait des Pokémon là que tu as rencontré hein, tout... à chaque fois que tu faisais un pas, donc bon, c'était assez simple. Thank you.
truc qui t'enlève 20 PV obligés, quoi, quel que soit le niveau. Incroyable, génial, qui es-tu? Une interview. Faut que je dise un mot. C'est n'importe quoi. Et on va dire courage, allez. Ouais, c'est une excellente conclusion. N'importe quoi. Et là, il va passer à la télé et elle va dire « Franck nous a déclaré après son combat, courage. » C'est le gars comme s'il savait dire qu'un mot dans sa vie. Non, attendez, je devrais mettre Masco en premier car il est sur le point d'évoluer. Ce serait une bonne idée. Ah, parasport. Ils m'ont mis du parasport, ces connards. On va être obligé, non, on va pas le soigner maintenant. On le soigne un peu après. C'est bon, c'est pas trop grave. Le nez qui me gratte, poil de lapin. Ah, sinon, j'espère que vous allez bien. Je dis ça à chaque vidéo, c'est vraiment. Voilà, quoi, je m'inquiète vraiment. Je demande comment ça va, bon, personne ne me répond, hein, de toute façon. Il n'y a pas vraiment de viewers sur mes vidéos pour l'instant. Et à ce que je vois, à chaque fois je gagne un abonné par jour à peu près, donc c'est pas mal. Peut-être que d'ici l'année prochaine je serai à 300 abonnés. Voilà. J'en ai rien à foutre, ça si vous pouviez savoir, mais alors. C'est vrai que c'est sympa d'avoir un nombre d'abonnés énorme, mais. Le fait d'avoir énormément d'abonnés signifie avoir énormément plus de responsabilités, on va dire. Il faut que ça plaise à tout le monde, il faut que voilà. Alors que là j'ai un petit public, certes. Et sur les 30, il doit y en avoir 20 d'actifs. Mais au moins ils apprécient ce que je fais. Si un jour j'en ai 300 et que sur les 300, il y en a 200 qui aiment pas et 100 qui aiment. Ça, ça risque d'être un peu plus difficile à débarrager. Bon, franchement, avoir un petit public ne me dérange pas. Mais bon, si un jour je suis obligé d'avoir. Enfin, obligé. Si un jour j'ai un grand public. J'aurai un grand public, écoutez. J'y peux rien, après tout. Ça veut dire que pas mal de personnes apprécient ce que je fais, quoi. Et ça, ça me plairait. Vraiment. Car au départ, c'était parti d'un sentiment de. Je me fais chier, je fais des vidéos. Alors que là, ça a pris des proportions. Voilà, quoi. Pas énorme du tout, quoi.
ça a pris des proportions minimes, mais ça a pris des proportions, quoi. Les gens aiment bien ce que je fais. Donc bon. Je continuerai jusqu'à temps que tout le monde se soit désabonné de ma chaîne, on va dire. Ça va être ça. Si un jour je me retrouve avec zéro abonné, bah, je saurai ce qu'il me reste à faire, quoi. J'irai me pendre. Non, je déconne. Et là, comme vous êtes tous des connards, vous allez tous vous désabonner, vous allez faire une secte contre moi pour que j'aille me pendre. Et Masco évolue. Truc qui n'a rien à voir. Vous avez vu comment c'est simple d'aller monter niveau? Il était à peine 36, j'ai fait quoi? J'ai battu. Allez, 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, allez, 10 Pokémon. 10 Pokémon en même pas. C'était même pas 5 minutes, allez. Depuis le temps. Donc voilà quoi. C'était simple à faire l'entraînement, je vous jure. Un niveau tous les 5 minutes, vous le faites bien le calcul. C'est bon quoi, ça fait 12 niveaux en 1 heure. Pour gagner un niveau où j'étais, c'est bon, vous partagez, voilà. Et encore avant, ils étaient beaucoup plus simples à monter de niveau vu qu'ils étaient plus jeunes. Donc moins d'expérience. C'était beaucoup plus facile. Éclate Rock, l'attaque la plus inutile au monde, presque. À part Trempette. C'était qui? Un autre Akayu? Ouais. Que de faire? Hop. Il va me donner son numéro. Attendez une seconde, ça risque de bloquer un peu, hein, vous inquiétez pas. Hop, ça risque de bloquer encore un peu. Hop. Excusez-moi pour tout ça. Je regardais juste à quel point j'en étais. Donc j'en suis à... Oh, c'est bon. Je suis à la 20e minute à peu près. Encore 10 minutes. Allez. Et je vais mettre Galégon en premier. Chamallow. C'est vrai qu'il me faut un Pokémon feu, mais... Je pense pas que... Oh, peut-être... J'ai pas encore réfléchi à quel Pokémon de feu je voudrais, en fait. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ah non. Non, non, non. Les Camerupts sont beaucoup plus puissants que les Charters. Si je devais prendre entre Charter et Chamallow, je prendrais Chamallow pour qu'il évolue, quoi. Donc non. Ramasse toutes les baies, on s'en fout, on fout le bordel.
Hop. Et... Hop là, et toi... Allez hop. De toute façon, dans tous les cas, ils se mettent KO. Les Pokémon tellement puissants maintenant. Je les ai trop entraînés par rapport à ce que c'est maintenant. Aïe aïe aïe. C'est de la faute du champion. Fallait pas qu'ils me mettent au défi de gagner. Oula, j'avais mis sur pause. Oh mon Dieu. Ah. Un Wilmer. Non. Je me demandais en fait si j'allais attraper le Wilmer ou pas quoi. Un Wilmer ou un autre Pokémon haut. Mais franchement les Wilmer... Ok, ils évoluent en Wildord, ils ont énormément de points de vie mais... Ils apparaissent trop loin dans l'aventure. Et le batteur. Excusez-moi. Putain. J'ai pas arrêté de bosser depuis un certain temps. Sur mes doigts, bon. La scène gars aux cachettes secrètes. Oh, c'est sympa de me donner des baies. Mais je vais toutes les prendre. Vite, pendant qu'elle a le dos tourné. Elle m'en donne une. Et moi j'en veux plusieurs. Je suis diabolique. Eh oui, je suis le diable en personne. Bonjour mamie. Bah ouais, c'est sympa ça. Non c'est bon, bon, faut pas trop abuser non plus. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? J'ai repéré des talents de mon journée, mais par contre un dresseur, Franck. La façon d'être sincère et enfin le plus rapide c'est de se battre comme ça que nous avons commencé notre quête. Tu contre Franck, quand sa performance nous a été aplatie, écrasée terriblement et Franck et les forces autour de nous avons été notre débat. T'es divin, la vie de Masco et de Galgon, c'est un sentiment chaud car. Donc la rencontre va peut-être coupe.
contre, je vais demander à Franck, il a répondu courage. Oh la vache. C'est tellement n'importe quoi tout ça. Bon. Et bien sur ce les amis, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, pour cet épisode. Donc, je vous dis à tous, ciao à plus, et vivement, le prochain épisode. Allez, salut à tous les amis.